Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va parfaitement puisque aujourd'hui on va commencer un nouveau gameplay, celui de Never Alone, un jeu sorti pas très longtemps, très poétique. Il a l'air très poétique, très spirituel, donc on va lancer ça. D'accord, donc là il faut vite échapper à l'ours. Alors pour l'instant le rendu est vraiment magnifique. C'est vraiment très beau. Ça... Avec pour l'instant un côté un petit peu sombre, ça me fait penser au même genre un peu à Limbo. Il y a un truc qui court en arrière-plan. Je vois pas très bien ce que c'est. Tirer une bête avec une queue. Alors, jouons en mode coopératif, appuyez sur A pour la seconde manette. Alors, moi je suis tout seul donc je vais continuer comme ça. D'accord, et donc là il faut faire demi-tour. D'accord, ça commence bien, je suis mort dès le début. Donc là, ouais, il faut faire demi-tour. Ah, d'accord. D'accord, bon, le temps ne s'améliore pas apparemment. Ok, donc là je suis revenu avec la petite fille.
Appuyez sur A pour grimper à la mur avec le renard. D'accord. Le renard débloque ça. Et ensuite, ouais, ok. Ça me fait penser, ce système coopératif comme ça me fait penser à un autre jeu. Je trouve plus le nom. C'est sur PS3, c'est avec un, c'est avec les Majin. C'est un garçon qui s'allie avec un grand colosse, un peu de terre. Qui est très sympa aussi. D'accord. Ok, non, ça... Okay. Ah. Ah oui, d'accord, on bouge. J'ai pas forcément remarqué qu'on était en train de bouger. Ok, donc apparemment c'est le renard qui... fait bouger, j'ai l'impression. Ok. Effectivement, quand on est sur ça, il faut mieux prendre apparemment le renard, c'est lui qui fait bouger ses plateformes. Alors, donc le renard peut faire des wall jumps. Donc pour le coup, on baisse, hop. Ok. Ah ouais, le vent... Avec le renard, il pardonne pas. Là, faire une succession de wall jump. Ok, j'arrive ici. Ça fait apparaître des plateformes. Les plateformes vont descendre sûrement. Ah non, il y en a une autre qui apparaît, donc à la rigueur, je vais prendre la fille. Ok. Bon, pour l'instant, je suppose que dans les phases comme ça, on est toujours un peu en mode tuto. Et donc là, je dois prendre le renard wall jump. Ça fait apparaître lui. Ok, donc là, vite, la fillette. J'espère qu'il souffle le vent. S'il souffle, il va m'emporter. Non, c'est bon. Ok, donc là, on avance pour le moment. Tranquillement.
cher Lolo, dikitka ay marvin. Aglan malunak siya marama. Inyo ko lo, dikit nga malok siya kasiya Lolo, pinyan. Iba halak si malok sumitay mo. Dikatsyak kumanyain niyakso. Bakit ka nga ang nago, ibaktan eh. Nakik isi waktu ako na kaso. Inyo may tukuntang tawa na kasi ito. Alors, est-ce qu'il y a rien de caché? Ok, non. Il y a rien. Je sais pas. Kaharap pa ang inyo liptak to. Sumalagun lang kami ni Beaksiak Lulu itinyingan eh. Ok, mais là il faut revenir parce que j'ai raté la plateforme. Non, plus on peut pas revenir. Allez. D'accord, donc le renard a l'air de l'appeler. Ouais bon, à la rigueur c'est pas grave, ça le renard, hop, lui il peut faire comme ça. Hop, voilà, on est bien. Aglan kaharaw ko sa kanya at sa gabi na ito. Imenyaw rin sa gabi kami sa mga ano namin. D'accord, donc là, petit moment de glamper différent, il fallait profiter de la puissance du vent pour se faire éjecter le plus loin possible. Ok, là, c'est très certainement... Ok, c'était ça, wall jump, et ensuite... Ah, mais c'est vrai que ça suit. Kano ko ma ilisimanak ba ka? Isumulat ako ni Beaksya ka lalo ko. Kano kita po na kaunig ay nga ikpin. Kailaw di ka piigup ko. Ikayo ko niya ka lalo ikpin. Kimon dahil nanakik. Sa bakit ila nga? C'est bizarre parce que ça revient un petit peu en arrière, on dirait qu'il fallait qu'on retourne... On aurait dit qu'il fallait qu'on appuie... qu'on reparte en arrière dans le village. En tout cas, leur mouvement m'en donnait l'air. Bon, on va continuer comme ça. Donc là, il faut sauter au loin. Hop. Voilà. Ah bah il le fait tout seul à la rigueur, donc c'est pas tellement nécessaire. Oh,
Ok, il y a une corde en haut, donc là, c'est le renard. J'ai mal sauté. La corde, la fillette qui passe. Je pense qu'il suffit de sauter. D'accord. Je comprenais pas pourquoi le renard se dépêchait tout seul à avancer. Je me dis bon, est-ce que j'ai, pour le coup, j'ai hésité. Je me suis dit, est-ce que j'ai le renard ou est-ce que j'ai la fillette? Bon, je crois qu'on va prendre le renard. Toutes ces phases de plateforme. C'est plus sympa. Ok. D'accord, le moindre coup nous one shot. Bon, on va dire en même temps, c'est vrai qu'il n'y avait pas de barre de vie. Donc là, on avance, ça va descendre. On se remet ici. Il va en rebalancer, on avance rapidos. Hop, et là, c'est bon. Ou pas. C'est pas vrai. Oh mais quand même! Oh. Foutu renard. Voilà. Ça va te remettre à Halloween. Ok, bon, on a trouvé le tambour, donc maintenant on dégage. Alors, c'est vrai qu'il y a... Non, il y a le renard en haut. Et après, il faut sûrement avancer. Alors d'abord, la caisse pour le renard, comme ça. Pour qu'il puisse monter. Donc là. Ah, il faut faire un wall jump. J'avais pas vu le mur ici. Oh là là. Je dois bien vous avouer, des fois l'inertie des sauts est assez bizarre. Allez, on est passé. Ok, donc il nous a
Il nous a donné un espèce de collier, on dirait, un collier qui brille. On voit la suite pour le prochain épisode. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à me suivre sur la chaîne, sur la page Twitter pour avoir plus d'infos sur les jeux qui seront à venir. Et je vous dis à la prochaine. Bye!